Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors petite session coup du soir, je tourne l'intro après avoir fait la session. Mais voilà, petite session coup du soir, je vous laisse avec les images. Voilà mon objectif en arrivant, c'était clairement de faire du poisson, peu importe la taille, peu importe le nombre. Je voulais faire du poisson, je voulais plier du carbone parce que les temps sont durs chez nous au Havre en ce moment. C'est vraiment très dur de faire du poisson. Du coup, j'ai misé sur le coup du soir pour essayer de tomber sur un poisson. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse visionner la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo les gars. Je viens de louper une touche, les amis. Poisson, yes, on a pris au bord, yes, c'est petit mais c'est poisson, sur ce petit coup du soir, oh c'est minus, c'est un petit bar. Les amis, ce petit bar, je l'ai pris avec un leurre que j'ai fait maison. Je vais vous montrer ça tout de suite. En tout cas, il a bien chopé le leurre. Voilà, c'est un leurre. C'est un petit shad là, tac, avec une paire de leurre inversée. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. Bon, c'est un pince, hein, mais en début de saison, quand on sait que les temps qui courent, ça fait plaisir. Hop. Allez, on repart. Toute vitesse. Nickel. Yes, 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 je venais pour ça, je venais pour me faire plaisir sur des petits poissons, pas forcément des gros, mais faire du poisson, faire du poisson, voilà, et puis l'occasion de tester mon leurre, mon petit leurre homemade, ça fait plaisir. Il m'a pris juste au bord, vraiment. Ça fait plaisir de prendre un poisson avec son propre leurre. Je l'ai designé de A à Z, et puis après je me suis arrangé pour faire des moules, construire tout ça. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas ça fait plaisir. Je venais pour le tester parce que j'ai déjà eu des potes qui ont fait du poisson avec. Donc ça fait plaisir. Deuxième barre de la saison pour ma part.
Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai appris un petit bar sur ce coup du soir, donc de à peine 3 quarts d'heure environ. J'ai commencé la session avec un leurre. En fait, j'ai pêché qu'avec le leurre que j'ai créé, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai commencé la session, le soleil était encore levé, enfin il allait bientôt se coucher, mais il y avait encore la luminosité, il pénétrait encore dans l'eau. Donc j'ai mis un coloré un peu translucide avec un dos assez foncé pour un peu trancher. Et j'ai pris une touche sur ce leurre, j'ai pas réussi à la concrétiser, j'ai ferré, c'était limite, je pense qu'il était pendu, mais vraiment très légèrement. Et il s'est décroché juste après. Et donc voilà, donc ça c'était avec ce leurre. Et dès que le soleil a commencé à se coucher vraiment et que la luminosité est vraiment tombée, j'ai pris un coloris beaucoup plus sombre, donc marron opaque mat, vraiment très très sombre. Et j'ai fait les mêmes animations, donc c'est-à-dire un peu de la pêche à gratter douce. Et bah ça a payé, j'ai fait un petit poisson juste sur la bordure devant moi, il a dû suivre le leurre et puis il a dû prendre un dernier moment. Bon, c'est un petit bar, mais ça fait plaisir pendant les temps qui courent, c'est vraiment très compliqué chez nous au Havre. Donc ça fait vraiment plaisir de prendre un poisson, surtout avec un leurre que j'ai fait moi-même. Donc c'est une petite fierté personnelle. Ça fait toujours plaisir parce que ça prend quand même du temps de développer un leurre et d'essayer de trouver les techniques pour le fabriquer. Enfin voilà, ça je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Il m'a été demandé de faire des vidéos sur mon matériel. Donc je pense que je ferai une vidéo en présentant ma canne à pêche, mes cannes à pêche peut-être. Et ma bagagerie, mes accessoires et tout ça. Et ensuite une seconde vidéo où je présenterai mes leurres en détail et en disant pourquoi j'utilise ces leurres, dans quelles conditions, tel coloris, telle taille et tout. Une vidéo très complète. Je pense que la vidéo des leurres sera une très grosse vidéo d'une trentaine de minutes sûrement. Mais je parlerai beaucoup et ça pourrait être l'occasion de donner des conseils aussi pour les débutants. Parce que je sais que quand on débute, les leurres, il y en a tellement qu'on ne sait pas trop quoi choisir. Je ne vais pas parler plus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous invite à aller voir les prochaines vidéos qui vont pas tarder à sortir d'ailleurs sur ces présentations de leurre et dont je vous parlerai du leurre que j'ai utilisé dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter si vous avez des questions, des remarques à faire, même des critiques constructives, ça me ferait vraiment très plaisir. Déjà, la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires, ça m'a vraiment fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez trouvé le contenu intéressant. Moi, ça m'aide pour le référencement. Voilà, je vous remercie. Je ne veux pas parler plus, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis.